Depuis près d'un siècle, deux petits villages du sud de la France se livrent une impitoyable guerre de clochers. Ok, ça va, j'ai compris. Il a sorti le maillot du grand-père. Sent pas bon, les gars. Et là, je dis stop ! On met une branlée à ces gros cons de troupeau ! Dans 3 mois, au match retour ! Ah ! Alors, les trompettes, on est venu prendre une branlée ? Non, Dédé, t'es taillé comme un criquet. Pourquoi tu t'en prends toujours au gros, putain ? Entre Troquepont la bourgeoise et Tourtour la ritale, tous les coups sont permis. Avant qu'une arrivée ne vienne bouleverser la vie de ces deux villages. Arrêtez de les appeler des immigrés, ce sont des demandeurs d'asile. Il est hors de question que ces gens-là débarquent ici. On peut pas laisser faire ça, Marco. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? On est vraiment très heureux de vous accueillir, hein, et vous êtes ici, chez vous. Vous êtes double championne du monde. Vous avez Mbappé, vous avez Pogba. Il n'y a pas de terrain de football. Non, il n'y a que des terrains de rugby. Ah bah ça, c'est ton retour. Hein. Il y a un problème, Moustache. Marco, vite ! Marco, moi, je veux jouer pilier comme gros loulou. Quand tu vas vers l'avant, il faut toujours rester derrière. À une condition, c'est que la passe soit faite à la main. Parce que si elle est faite au pied, elle peut être en avant. Tu comprends ? Jette un œil. Au départ des migrants. Les migrants que t'essaies de virer au nom de tes idées à la con, je te garantis qu'ils vont te mettre la misère le jour du derby. Va falloir y aller au massif dimanche-là. On sait même pas s'il est courageux. Vous voyez, le petit, il a été emprisonné et torturé pendant 2 ans. Salifou l'a sauvé. Et comme le petit, il avait pas de famille, il en a fait son petit frère. C'est ça que j'appelle le courage, moi. Gagné ou perdu ? Pour moi, la vraie victoire, elle est là. Devant nos yeux. Maintenant, tu passes ton bras gauche entre les cuisses de Jawan et tu agrippes son short juste au-dessus des parties génitales. Je suis désolé. Ça, je peux pas faire. Hein.